Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express, avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde, Yitong Chen, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes interprète, traductrice français, anglais, arabe, chinois, et vous publiez L'Odyssée de la petite chinoise du Caire, c'est aux éditions L'Harmattan. Avec nous également à Beyrouth, au Liban, l'écrivain et poète Antoine Boulade, merci d'être avec nous. Vous avez participé à l'œuvre collective Fruits Confits, journal de confinement à Beyrouth, avril donc 2020, pendant le confinement au Liban. Et puis tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, Fatma Zora Zamoum sera avec nous à l'heure où les cinémas réouvrent leurs portes, notamment en France, après la pandémie de coronavirus. La réalisatrice nous présentera son film Parcours, il est question d'un mariage en Algérie. Yitong Chen, on commence avec vous. 2008, vous avez 19 ans et vous débarquez en Égypte. Vous, la fille unique née dans une famille chinoise en Chine, qu'est-ce qui vous amène dans ce pays très loin de votre terre natale ? C'était tout à part le pays me paraissait tellement mystérieux c'était il y a aussi de tout ce que je connaissais c'était l'histoire des pharaons etc et les pyramides oui les merveilles et puis à l'époque je me suis dit j'aimerais vraiment voir le monde extérieur de la Chine et puis de découvrir. Et finalement, je me suis dit, je vais choisir un pays où on entend qu'il y a peu de Chinois pour vraiment faire une vraie découverte. Ouais, ouais. Et pourtant, on va le voir avec vous, il y a une communauté chinoise quand même, la capitale égyptienne. On va en parler. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous arrivez dans ce pays, l'Égypte, qui ne laisse personne indifférent, avec sa capitale, le Caire? Vous allez très vite tomber amoureuse de ce pays. Pourquoi? C'était vraiment complètement un autre monde d'où je viens. Et surtout, au début, j'ai pris un choc. Parce que culturellement, c'était complètement différent. Et surtout au niveau de la religion, je connaissais très peu quand j'étais en Chine. Et après, au fur et à mesure, je commence à vraiment découvrir ce pays et sa beauté sur la simplicité de la vie et puis les gens, la gentillesse des gens. Oui. Mais quand vous avez quitté la Chine, c'était pour faire quoi en Égypte? Vous disiez quoi? Pour étudier? Pour voyage d'aventure? C'est la première fois que j'ai menti à mes parents. Ouais. que je disais je voulais faire mes études en Égypte, dans une université au Caire. Mais à l'époque, je voulais juste partir. Ouais. et puis de faire le voyage. Alors, vous allez notamment expérimenter la solidarité féminine au contact des kérotes, des Égyptiennes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'était une solidarité impérative parce que vous avez vous-même été victime de harcèlement sexuel au Caire? On en a aussi parlé après la Révolution. Cette solidarité entre femmes. Vous avez trouvé refuge auprès d'elle, peut-être aussi. C'est plus facile. On se comprend mieux. Et puis. Je vous pose la question parce qu'elles ont joué un rôle important, les femmes en Égypte, pendant la révolution en 2011. Vous, je le disais, vous êtes arrivée en 2008. Oui. On a beaucoup couvert cette révolution égyptienne dans cette émission Maghreb Orient Express. Vous, comment est-ce que vous avez vécu cela? Donc, vous avez été en Égypte 3 ans avant qu'elle éclate. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en voyant toutes ces images? On se rappelle de ces millions de personnes sur la place Tahrir, notamment. Oui, c'était. La révolution n'était pas prévue, ça arrivait vraiment d'un coup. Et puis c'était. Je pense que j'ai témoigné un pouvoir, le pouvoir du peuple. Et c'était de voir des millions de gens qui se réunissent d'un coup, qui s'unissent tous ensemble en même temps. C'était beau? C'était beau et c'était très très puissant. Et pour un seul but, pour un seul objectif.
J'ai dit que vous étiez interprète, donc vous vivez aujourd'hui en France, c'est là où vous travaillez. Vous parlez donc l'arabe? Oui. C'était dur à apprendre? Non, ça va. Je pense que parce que j'étais jeune. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer et vous parler à vous et à nos téléspectatrices et téléspectateurs d'un homme, un aventurier, Ibn Battuta, qui, il y a des siècles et des siècles, a parcouru la planète jusqu'à votre terre natale, la Chine notamment, au XIVe siècle. Slimane Zeghidour nous parle de cet homme, personnage historique impressionnant, Ibn Battuta. Cherchez le savoir partout, jusqu'en Chine s'il le faut. De tous les hadiths dits et maximes attribués au prophète de l'islam, cette exhortation est la plus populaire. Elle a donc pu tout naturellement inspirer le jeune Ibn Battuta, qui deviendra un des plus grands voyageurs de l'histoire, après avoir parcouru à pied, à cheval, à dos de chameau ou en bateau, plus de 120 000 km, soit tout de même trois fois le tour du globe. Quand il arrive en Chine en 1346, notre voyageur maghrébin débarque dans un pays chinois, certes, mais dominé par une dynastie mongole, celle des Yuan, fondée par Kubilai Khan, ce conquérant mongol qui avait déjà accueilli 50 ans plus tôt un autre voyageur, le Vénitien Marco Polo. Dans la ville portuaire de Kanzhou, notre voyageur découvre, ravi et incrédule, une très vieille minorité musulmane fondée par des commerçants persans et arabes, dès l'époque des premiers califes. Il est ravi aussi de prier dans sa mosquée. Il est dérouté par la découverte de l'usage du papier, monnaie, de l'usage de la houille, le charbon tiré des mines. Mais aussi, il est complètement décontenancé de découvrir le souci de la police chinoise de tirer le portrait de tous les voyageurs étrangers de passage. De sorte, dit-il, qu'en cas de recherche de cet étranger, on puisse dupliquer son portrait et le distribuer à tous les postes frontières du pays. Dans cette ville de Kanzhou, qui existe toujours et qui est un port industriel majeur, le musée d'art moderne s'est doté en 2017 d'une statue monumentale d'Ibn Battuta. Dans le récit d'Ibn Battuta sur la Chine, nous découvrons un pays à la fois exotique et familier. Familier parce que c'est un pays où l'État, certes, force le respect de l'étranger, mais c'est une terre où les musulmans locaux se sentent parfaitement chez eux. C'est une terre où le nom chinois de la mosquée veut dire tout simplement le palais ou le temple de la vérité pure. Voilà pour Ibn Battuta. Yitongcheng, vous connaissiez cet explorateur? Pas vraiment. Pas beaucoup? Oui, pas vraiment. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Vous avez fait un peu le chemin inverse, ouais, en fait. Hein. Lui, ça, il est né, ouais, à Tanger, le Maroc, c'est actuel. C'est fascinant quand même qu'au XIVe siècle, on découvre ce pan de l'histoire. En fait, les liens, ils ont toujours existé. Oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, je me rappelle que pendant mon interview d'admission pour l'Université du Caire, et ouais, il y avait la directrice qui m'a dit, bah, justement, dans notre culture, on dit que cherche la connaissance, même si cela te mène jusqu'en Chine. Et en voyant une Chinoise qui vient de Chine, enfin, au pied des grandes murailles, on ne peut pas refuser. Ouais. Qu'elle vienne faire ses études jusqu'au pied des pyramides. Et ça, c'était le hadith que Slimane, oui, rappelait, voilà, du prophète. Ouais, ouais. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Voilà ce qu'écrivait Lao Tzu il y a bien longtemps déjà. Une dernière question avec vous, si vous le voulez bien. La communauté chinoise du Caire, racontez-nous comment vit-elle et quel contact avez-vous eu avec elle? C'est surtout une communauté chinoise musulmane que j'ai découvert sur place, ouais, et ils sont venus, ils sont d'origine des régions musulmanes en Chine, et ils sont allés en Égypte pour apprendre l'islam ou pour apprendre l'arabe. Il y a longtemps. Oui. Et puis après souvent ils disent ils se sentent vraiment bien en Égypte.
c'est comme chez eux. Merci beaucoup, l'Odyssée de la petite chinoise du Caire. C'est donc votre journal intime que vous aviez tenu dès 2008 à votre arrivée au pays d'Égypte, Yitong Chen, chez L'Harmattan. Merci à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau. Le cinéma à présent avec le film Parcours de la réalisatrice algérienne qui s'apprête à nous rejoindre, Fatma Zora Zamoum. On est ravis de voir les cinémas rouvrir leurs portes pour ce film. C'est le Saint-André des Arts à Paris. On regarde la bande-annonce. Bonsoir Fatma Zora Zamoum, soyez la bienvenue sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver. Ça se passe dans l'Algérie contemporaine, hein, une petite ville où il y a une fête de mariage, de mariage traditionnel, hein, et il va y avoir des événements qui vont s'enchaîner, des personnages aussi qui vont arriver et qui vont se greffer sur ce mariage. Tiens, d'abord, le cinéma regorge de mariages. Pourquoi vous avez choisi ce personnage, si l'on peut dire? En fait, c'est le seul moment qui change la vie d'une femme, en fait. Elle passe de fille 2 à femme 2. Donc c'est un moment charnière pour la vie des femmes. Ouais. Et je voulais prendre donc ce moment qui, a priori, peut faire présager que le film est un peu attendu. Voilà, ça va être une fête, tout ça. Et voilà, il y a un twist et puis il y a des surprises d'un film. Alors, il y a un vendeur à la sauvette qui s'appelle Youssef. Il y a une aide-cuisinière, Salima, une chanteuse, Sonia, qui vont se diriger vers ce mariage qui, a priori, n'est pas leur mariage, en tout cas d'un point de vue de proximité. C'est une journée qui va être assez particulière. Arrêtons-nous sur Youssef. Qui est-il? Alors, Youssef, c'est un jeune qui vit sur les toits, qui est vendeur à la sauvette d'articles de téléphone dans un marché de façon illégale. Il fait du parcours, il fait un sport où on apprend à se déplacer d'un point A vers un point B, mais de façon différente. C'est l'art du déplacement et c'est un... Voilà, il a que ça pour vivre et pour aimer la vie qu'il a. Et lui, Youssef, il va aider la famille de la mariée à préparer cette fête? Exactement. En fait, il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui viennent dans les mariages dans nos sociétés pour donner un coup de main, pour manger à l'œil. Enfin, il y a plein de, de raisons de faire ça. Mais lui, ce jour-là, il décide que, oui, c'était sa copine d'école, la mariée, donc il va aller aider. C'était voisin à lui, il va les aider ce jour-là. Mais ce jour-là, il lui arrive un certain nombre de choses dans sa propre vie. Donc, il va décider que cette vie, il la veut plus et que c'est un moment de vérité qu'il va falloir qu'il oblige d'autres même à faire d'autres choix. Il y a le rapport homme-femme, bien évidemment. Il y a notamment cette réplique de Camille incarnée par Adila Bendimerad, hein, qui dit « Tu m'as ignoré pendant des années et aujourd'hui, tu me fais tout un blabla, hein, si l'on peut dire. » C'est pas les mots exacts. Mais au-delà du rapport homme-femme, on a le sentiment aussi qu'il y a vraiment la question sociale qui est prégnante. Par exemple, le marié, lui, il n'est pas du tout du même milieu social que Youssef. Oui. En fait, j'ai mis dans cette journée-là plein de personnages qui ont tous différents problèmes ou différents profils, et ils vont tous se comporter vis-à-vis de ce mariage de façon très différente. Alors, bien sûr, il y a une aide-cuisinière qui est d'un milieu social très très pauvre, il y a ce marié qui est un riche, bagar, on appelle ça en Algérie, c'est-à-dire un riche, plein de fric, mais sans culture, notable. Et puis, il y a donc la famille de la mariée qui veut s'élever socialement en faisant cette alliance-là. Il y a la chanteuse, enfin, il y a
tout un tissu un social. Un patchwork, si l'on peut dire. Ouais. Absolument. Mais on aurait presque envie de vous dire, Fatma Zora Zamoun, que votre film, en fait, a un propos universel. Pour autant, on sent bien que vous essayez de capter quelque chose de la société algérienne d'aujourd'hui. Vous avez tourné notamment à Boufarik et à Zeralda. Qu'est-ce que vous avez essayé de capter de l'Algérie du 21e siècle? Enfin, j'ai essayé de capter l'Algérie de la deuxième... de 1910 à 1920... Enfin, à 1900... Non. 2010 à 2020. C'est une Algérie qui était un peu bloquée, dans laquelle il y avait une grande paupérisation et puis, en même temps, un grand enrichissement de certains, dans le même temps. Et ça créait des gaps sociaux absolument terrifiants. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que l'Algérie était bloquée pendant un moment. Ouais. Et cette accumulation de plein de problèmes ne pouvait que générer des formes d'explosion sociale et, ouais. ou intime, ou, enfin, en sein privé, quoi. Et on en voyait pendant ces années-là des gens qui s'immolent, qui s'immolaient, des personnes des Haraga, des personnes qui traversaient... au risque de leur vie la Méditerranée. Voilà. Alors, on sent bien, il faut voir le film pour le comprendre, qu'il va y avoir, bien entendu, un impact de l'arrivée de ces personnages dans ce mariage. À la fin, on se dit, à la fin de l'histoire, mouvement, pas mouvement, Hirak, pas Hirak, difficile aussi de ne pas évoquer avec vous ce qui se passe en Algérie depuis plus d'un an maintenant, le mouvement pacifique. Comment voyez-vous les choses? Comment voyez-vous la suite? Il y a une répression, notamment aujourd'hui en Algérie, avec beaucoup d'arrestations, des détenus d'opinion, des journalistes arrêtés également. Ça, c'est pas juste, en fait, hein, parce que effectivement, dans le film, il est question de comment on pourrait dire ça, d'immobilisme et de mouvement, oui, hein, de nécessité de mouvement. Hein. Donc, quand le Hirak est arrivé, je comprenais honnêtement en quoi ces gens voulaient que les choses bougent, que leur vie puisse bouger, que leurs rêves puissent aboutir, qu'ils avaient besoin de plus de démocratie, de plus de marge de manœuvre pour... respirer. On va prendre la direction d'un autre pays, le Liban, qui lui aussi a besoin de respirer en ce moment avec vous. Antoine Boulade, merci d'être avec nous. Fruits confits, journal de confinement à Beyrouth, avril 2020. Comme en Algérie, il y a eu aussi un mouvement de contestation. Les manifs se sont arrêtés avec le confinement. Elles ont d'ailleurs repris ces dernières semaines. Avant de parler de la situation de votre pays, parlez-nous de cette œuvre très originale. 14 Libanais âgés de 20 à 70 ans qui témoignent de ce moment inédit vécu, disons-le, par des milliards d'individus, quasiment la planète entière. Comment est née l'idée de ce projet littéraire? Alors je vais décevoir ceux qui croient que j'ai eu un coup de génie. C'est tout simplement sur votre antenne, sur TV5, que j'ai entendu une invitée dire « mais on peut écrire un journal du confinement ». Le soir même, j'avais appelé tous mes camarades. Alors, que je dise, j'anime des ateliers d'écriture depuis un certain temps. Donc, c'était normal de leur proposer d'écrire par WhatsApp et non pas en direct. Et le sujet serait évidemment ce qu'ils vivent. Et il y a aussi, j'ai une autre appartenance, qui est une association qui s'appelle Kitabat, qui veut dire en arabe écriture, qui, elle, travaille, milite, enfin travaille pour le développement des ateliers d'écriture au Liban. Donc je leur ai également proposé. Et au final, on s'est retrouvés 14 personnes, dont certaines personnes sont des écrivains déjà publiés, d'autres des débutants qui n'ont jamais sauté le pas, ni voilà. Et on a fait, la consigne était que toutes les deux personnes, pour chaque jour du mois d'avril, consignaient leur quotidien, leur intimité, avec évidemment des échos avec ce qui se passe au Liban, mais c'était surtout l'intime, puisqu'on était confinés, on était dedans, on était à l'intérieur de cette parenthèse que le Covid-19 a inséré dans le soulèvement du 17 octobre, puisque avec le déconfinement, effectivement, les manifestations de rue sont revenues, hein, parce que la situation elle est encore plus tragique qu'elle ne l'était au début du Hirak. Alors aujourd'hui justement, Antoine Boulade, quelle est la situation au Liban? On a vu ces scènes notamment de frigidaires vides, on parle d'un État en faillite. Quelle est l'atmosphère aujourd'hui qui règne dans votre pays?
Écoutez, les Libanais ont quand même, enfin tout le monde le sait, ont connu 15 ans de guerre où ils ont été, ils ont vécu un état, comment l'appeler, de ratification, est-ce que je sais? C'est-à-dire, ils ont été traités en rats. Nous avons vécu des moments où nous étions coincés dans des ornières, dans des coins, voilà. Des peurs extrêmes. Et pourtant, nous avons pu quand même survivre. Et ces mêmes personnes aujourd'hui voient leur avenir menacé d'une manière encore plus tragique. On nous vole, on nous a volé et on découvre que on risque de. Enfin, la paupérisation est galopante. Quoi vous dire? Alors, les manifestations massives, du mois de novembre et de décembre, n'ont pas encore repris tellement la menace est grande aujourd'hui. C'est-à-dire la solidarité en a pris un coup par le Covid et par le fait que les poches sont vides. Est-ce qu'il y a une métaphore, Antoine Boulade, entre le titre que vous avez choisi, qui n'est pas innocent, on imagine, tous ensemble, ces écrivaines et écrivains, fruits confits, pourquoi est-ce que vous avez choisi, cette expression? Oh, non, 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 c'est ce que je voulais dire par là, c'est que les textes que nous avons écrits étaient le fruit d'un confinement. C'était un jeu de mots. Maintenant, si vous voulez que je fasse une. Non, mais à l'antenne, on ne fait pas des confessions. Si, on en fait. Ah, vous pouvez, vous êtes poète après tout. Ma mère a habité à Apt, dans le Vaucluse, pendant 20 ans, elle venait de décéder juste avant le confinement. Et Apt, comme beaucoup peuvent le savoir, c'est la capitale mondiale du fruit confit. Voilà comment, inconsciemment, lorsque j'ai voulu pour WhatsApp mettre un titre, ça m'est venu à l'instant même. Merci beaucoup Antoine Boulade, en tous les cas dans le Vaucluse où TV5 Monde est aussi regardé comme vous l'avez fait vous à Beyrouth pendant le confinement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. D'ailleurs, vous restez avec nous parce qu'on va passer à vos coups de cœur culturels respectifs, chers invités. C'est notre séquence Atmosphère. Et je commence avec Yitong Chen qui était avec nous tout à l'heure. Elle a choisi le livre L'alchimiste de Paolo Coelho. On imagine que c'est peut-être parce que le personnage principal, eh bien, va du côté des pyramides d'Égypte, notamment, qui part d'Andalousie pour aller à Gizeh. Fatma Zorazamou, vous avez choisi, vous, une galerie à ciel ouvert d'œuvres d'art urbain. Elle se trouve dans le nord de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi ce coup de cœur? Ah. Eh bien, en fait, pendant qu'on était confinés, alors ça fait depuis quelques années maintenant que je m'intéresse à la culture urbaine, on va dire ça comme ça, et puis il y en a des aspects dans mon film, donc je poursuis ce cheminement-là qui m'a amené du parcours vers le rap, vers les tags et le street art, et je me suis rendu compte en ressortant du confinement que, alors qu'on était confinés, eh ben, les taggers, ils l'étaient pas. Parce que tout d'un coup, il y avait certains endroits qui ont été transformés. Il y avait tout le cheminement autour du tramway qui avait complètement changé. Il y avait des peintures à ciel ouvert, des RER qui étaient complètement tagués. J'ai vu Raoul président, Raoult président. Enfin, Le j'ai célèbre professeur infectiologue de Marseille. Voilà. Donc, il s'est passé des choses et il y a des choses qui sont des expressions réelles. De je suis passé par là ou de je pense ceci aujourd'hui, je témoigne de D'un ce. état d'esprit, Voilà, ouais, voilà. et d'une situation. Antoine Boulade, à Beyrouth, au Liban, vous avez choisi un festival, celui du Bois des Pins, dans la capitale libanaise, qui n'aura pas lieu cette année en raison de cette pandémie et de la crise économique également. Pourquoi ce coup de cœur? Parce que au Liban, tout est communautaire et que. J'ai choisi de parler un instant d'un espace qui échappe aux communautés. C'est un festival qui a lieu dans le Bois de Pins, qui est bordé d'un côté, on va parler cru, d'un côté par des chiites, de l'autre côté en face par des sunnites.
le troisième côté du triangle par des chrétiens, et que ce festival réunissait tout le monde. Donc je ne pouvais que en parler. Et surtout pour dire, comme nous regrettons de ne pas pouvoir le faire cette année, quand je dis nous, c'est l'association Assabil à laquelle j'ai contribué, à la création de laquelle j'ai contribué, voilà, et l'association Assabil s'occupe de développer les espaces publics, les bibliothèques en particulier, les livres, la lecture publique, et ce festival réunissait tout ça. Merci beaucoup Antoine Boulade d'avoir été avec nous dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde, un festival donc très d'union. Merci à vous Fatma Zora Zamoum. Parcours, c'est donc à voir au Saint-André des Arts, notamment à Paris. C'est en ce moment en salle, il faut retourner au cinéma absolument pour aider le 7e art. Et puis merci également à Yitong Chen qui était avec nous tout à l'heure et à vous qui êtes fidèles à Maghreb Orient Express. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur TV5 Monde avec grand plaisir.